Alors, comment bien réaliser son lancer de bouchon? Déjà, d'un point de vue réglementaire, les distances sont comprises entre 6 mètres et 10 mètres, et le bouchon doit être un minimum d'un mètre de tout obstacle. Attention, il est très important de bien réaliser son jet de bouchon, puisqu'on n'a qu'une seule tentative. Si le bouchon n'est pas réglementaire, l'adversaire va le saisir à la main et le placer où il veut. Vous avez mal jeté le bouchon, vous avez perdu le choix de la stratégie. Si vous êtes mené, par exemple, vous pouvez jeter le bouchon prêt afin de jouer offensif et de rattraper votre adversaire. Si vous menez, vous pouvez jeter le bouchon loin et justement jouer défensif afin de conserver votre avantage. Afin de bien jeter mon bouchon, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je m'entraîne. Et pour ça, vous avez deux stratégies de lancer. Sur des terrains roulants, je vous conseille de jeter le bouchon en le faisant rouler. Et sur les terrains plus épais, je vous conseille de jeter le bouchon plus haut afin qu'il fasse moins de chemin. Donc attention, ne poussez pas le bouchon trop loin. Allez, on s'en refait une ?